revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, a demandé à la Caisse de dépôt d'étudier la faisabilité du troisième lien. Ben oui, it's back. On pensait que c'était mort, le troisième lien, mais là, François Legault, il veut tellement donner un cadeau à la région de Québec. Il s'est planté dans Jean Talon. Qu'est-ce que je peux leur donner? Ah, les Kings au Centre Vidéotron, ça va être bon, ça. Ou, tiens, le troisième lien, etc. Et là, il a demandé, justement, alors, c'est la ministre de Transport qui a demandé à la Caisse de dépôt d'étudier la faisabilité du troisième lien. On va en parler avec M. Daniel Payet, ancien vice-président aux investissements privés de la Caisse de dépôt. Vous connaissez, il a été ministre aussi au Bloc, etc. Daniel Payet, bonjour. Bonjour. Bonjour, Richard. Est-ce que la ministre des Transports peut s'adresser directement à la Caisse de dépôt? C'est à ça que ça sert, la Caisse de dépôt? Est-ce qu'elle, elle peut dire, vous allez faire ça à la Caisse de dépôt? Bien, c'est le problème que j'ai en termes d'interprétation. C'est pas la ministre des Transports qui est responsable de la Caisse. D'ailleurs, la Caisse, elle est totalement indépendante du gouvernement. Ça, c'est la première des choses. Okay. La Caisse a un métier, elle investit votre argent, notre argent, pour nos futures retraites. La Caisse, c'est pas le gouvernement. Il y a un ministre responsable de la Caisse, c'est le ministre des Finances. Alors là, de voir qu'il y a une autre ministre, qui peut être vice-première ministre aussi, qui donne un mandat à la Caisse. Ça, premièrement, ça m'étonne. Deuxièmement, je me dis, est-ce que la Caisse a accepté le mandat? Ça a l'air que oui. Aurait-elle pu dire non? Nous, on veut pas avoir de mandat de consultant parce qu'on n'est pas des consultants. Mais ça a l'air qu'ils ont accepté ce mandat-là et ils vont encourir donc des frais, soit des frais internes parce qu'ils ont des spécialistes dans ce genre d'analyse-là. Ils l'ont fait pour le REM, ils l'ont fait pour le transport à Vancouver. Donc, ils vont avoir des frais internes. Tout ça à l'intérieur de 6 mois, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes dans la Caisse qui vont sortir de ce qu'ils faisaient actuellement pour faire le mandat de Mme la ministre. Et ils vont sans doute aussi s'adresser à des consultants externes parce que il y a sans doute des capacités intellectuelles à la Caisse qui sont bonnes, mais pas nécessairement dans les transports aussi pointus que ce que veut Mme la ministre. Alors donc, la Caisse, elle va encourir des frais, hein, nécessairement, internes ou externes. Est-ce que la Caisse va être payée par le gouvernement? Parce que si le gouvernement donnait ce mandat-là à une firme de consultants, il paierait, oui, il paierait la firme. Là, on dirait on va se retourner vers la Caisse parce que ça ne va rien nous coûter, la Caisse, étant donné que la Caisse, c'est un peu le gouvernement. Bien, la Caisse, ce n'est pas un peu le gouvernement, soyons clairs. Et la Caisse, dans la lettre de mandat, moi, je ne l'ai pas vu, la lettre de mandat, mais est-ce qu'il y a une évaluation du coût de cette analyse-là? Vous savez, une grosse analyse comme ça, à 3 volets, en 6 mois, mettons que c'est vite. Supposons qu'ils le font, qu'ils ne demandent pas de report. Alors, ça va être des millions de dollars, beaucoup plus que 5 ou 7 millions de dollars. Et qui va payer ça? La Caisse doit encourir des coûts, va encourir des coûts. Est-ce qu'elle va refiler la facture au gouvernement? Et en plus, moi, comme retraité ayant déposé pas mal d'argent à la Caisse, je veux que la Caisse fasse du profit, du bénéfice. Donc, est-ce que par-dessus ces coûts, mettons 10 millions, 20 millions, 30 millions, ils ont déjà fait 56 millions à Québec d'études pour ce projet-là, est-ce qu'elle va avoir une marge bénéficiaire? C'est une sacrée bonne question que vous posez parce que les gens qui donnent de l'argent à la Caisse, hein, parce que la Caisse, c'est le bas de laine des Québécois, comme on dit. Leur rôle, c'est d'investir puis de faire fructifier mon argent. OK? Que j'en aille pour mon argent, faire fructifier mon argent. Mais leur rôle, c'est pas de piger dans l'argent que les contribuables leur donnent à la Caisse pour faire des études pour le gouvernement. C'est pas pour ça, moi, je contribue à la Caisse de dépôt. La Caisse n'est pas un bras administratif du gouvernement du Québec. Vous avez raison, si la ministre avait demandé ça
à SNC, à d'autres firmes d'ingénieurs ou de conseillers, il aurait payé les coûts, puis il aurait payé un profit à cette entreprise-là. Oui. Alors moi, j'aimerais ça savoir combien ça va coûter, qu'est-ce que la caisse va payer, est-ce qu'elle va se faire rembourser totalement par le gouvernement et quelle sera sa marge bénéficiaire là-dessus. Parce que ma crainte, c'est que, comme disait Leonard Cohen, hein, « There is a crack in everything, okay? And that's how the light gets in. » Alors, j'ai peur que ce petit mandat-là, parce que par rapport aux 425 milliards de la caisse, là, c'est une peanut, mais ce petit mandat-là donne l'idée à n'importe quel autre ministre de dire « Ah tiens, je vais demander à la caisse. » La caisse va devenir comme un genre de firme de consultants qui sont quasiment obligés de dire oui quand le gouvernement leur demande de faire des études. Puis là, à un moment donné, c'est parce qu'on détourne la mission première de la caisse, qui n'est pas ça pantoute. Et justement, la caisse doit avoir, et elle a, le droit de dire non. Moi, je ne veux pas, pour reprendre l'analogie que quelqu'un d'autre a utilisée il y a quelque temps, je ne veux pas que la caisse devienne le Dolorama des études du gouvernement. C'est tout. Comme on voulait pas justement qu'Hydro-Québec devienne le Dolorama de l'hydroélectricité, effectivement, c'est ce qu'on avait dit. L'image est très bonne. C'est comme si on emmène large la caisse. Hein? On lui demande de faire plusieurs choses. C'est normal qu'elle emmène large parce que depuis le temps que l'idée est arrivée par le gouvernement de Jean Lesage et on attribue la paternité à M. Parizeau, Jacques Parizeau, effectivement, la caisse accumule de l'argent. Mais c'est normal qu'elle soit rendue à 425 milliards parce que il y a des baby boomers qui demandent maintenant à recevoir leur retraite. La Régie des rentes du Québec verse des retraites à des retraités, à des gens qui ont 60, 65 ans, 70 ans et plus. Il y a des gens de la construction qui investissent dans la caisse. Il y a des gens, des députés de l'Assemblée nationale. Madame Guilbeault, elle-même, comme députée, elle verse une partie de son salaire à la caisse pour après recevoir sa pension comme ex-députée. Justement, Daniel Perry, alors donc, il faut qu'il y ait du cash là-dedans. Les baby boomers, là, ils vieillissent, puis il y a toute une gang qui s'en vont là, à la retraite en même temps. Puis les gens vivent de plus en plus longtemps, hein, donc il faut les payer tout, à fait. Tout ce temps-là. On a besoin d'argent. Est-ce que c'est le rôle de la caisse? Et là, je reviens là-dessus. La caisse, il faut qu'elle fasse de l'argent. Il faut qu'elle fasse fructifier de l'argent parce qu'on a besoin de payer les pensions de tous ces gens-là. Est-ce que c'est le rôle de la caisse de gérer un système de transport en commun? Ben, si c'est rentable, la caisse doit diversifier son portefeuille. Okay? Je pense pas que ça va être rentable, le REM. Là. Le REM, sur une très longue période, je suis à peu près certain, ou je suis certain, que ça va être rentable. Parce que quoi? Il va avoir un achalandage, parce qu'il va avoir aussi, les gens vont payer pour utiliser le REM. Et comme à Vancouver, les gens payent, ça marche, ça roule. Évidemment, sur 5 ans, non. Mais sur 40, 50, 60 ans, oui. Parce que la caisse, elle est beaucoup plus éternelle que vous et moi et n'importe quel gouvernement au Québec. Mais en tout cas, vous posez de sacrées bonnes questions. Et est-ce que le gouvernement va payer la caisse pour cette expertise-là? C'est une bonne question à poser, mais c'est une question que l'opposition devrait prendre ou que même le ministre devrait répondre directement, tout comme le 5 et 7 millions de dollars des Kings de Los Angeles. Est-ce qu'il est en dollars US ou en dollars canadiens? Bonne question. Ce genre de question que j'ai le temps de me poser maintenant. Merci, Daniel Payet, ancien vice-président de l'investissement privé de la Caisse de dépôt, ancien ministre aussi. Bonne journée, M. Payet.